Alors, bonjour à tous, ici Sky Galaxy, j'espère que vous allez tout bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Nexomon. Alors la dernière fois on avait choisi notre Nexomon, on avait pris le feu. Et là on va essayer de combattre le dragon. On va pas y arriver, c'est clair et net. Alors, attendez, si je peux faire ça comme ça... Ah, attends. I. Alors le mien s'appelle Lume. Ok. Ok, on met Keep. Peut-être le mettre là. Ouais. Alors, hop. Ça va être dit de rester en arrière. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne battra jamais un dragon. Sauf toi. Tu as bien fait, Sky. On a assez fait. Allez, viens ici. La statue a disparu. C'est notre chance de nous échapper. Mince. Hey, Sky, allez, réveille-toi. On n'en risque plus rien maintenant. Peut-être si je... Sky, tes jambes, le dragon les a pris? D'accord, calme-toi. D'où sort ce Nexomon? Ah, Sky, vraiment? Traîner avec toi? Va être très très amusant. Quoi qu'il en soit, regarde cet endroit. C'est quoi cette chambre secrète? On ne peut pas retourner dehors avec ce dragon. Et si on explorait un petit peu? L'héritage d'une héroïne. Sky, c'est ça, ravi de te rencontrer mon enfant. Je m'appelle, mon cela n'a plus d'importance. Eh, c'est un fantôme? C'est une sorte de tombe? Détends-toi petit, je viens de vous sauver de ce dragon, n'est-ce pas? Vous avez attendu jusqu'au dernier moment. Est-ce que vous pensez à quel point cela peut traumatiser pour un... Bref. Le dragon est parti maintenant. Non, vous pouvez partir si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que cet endroit de toute façon? Mon dernier lieu de repos. J'étais une dresseuse avant comme vous. Waouh, vous étiez forte? Pas trop mal, je suppose. Tu as entendu ça, Sky? Elle était une vraie dresseuse. Et elle pourrait nous apprendre quelque chose. Tu sais, alors, tu sais que ce n'est pas la réaction normale avant qu'on rencontre quelqu'un de mort, pas vrai? Mais ok, je peux t'apprendre comment attraper un Nexomon si tu veux. Il y a un bon coin pour ça là-bas, on peut y aller. C'est pas trop. Il ne peut littéralement rien se passer de mal quand on suit un fantôme dans une grotte sombre. Wow, regarde-moi ça, Sky. Je me demande qui étaient ces clowns. Ils étaient les guerriers les plus courageux de ma génération. Et Spencer.
Ok. Parce que les deux mènent au même endroit. Ouais. Sky, tu ne le sais peut-être pas, mais nous vivons dans un temps perdu. Ton monde est doré dégoûtant, en feu, des bras cassés. Ok, oui, on a trop pris. Mais si tu sais où regarder, tu seras toujours un exomone. Tu vois cet arbre qui s'agite là-bas. Il doit y avoir un exomone sauvage qui se cache à cet endroit. Approche-toi pour qu'on puisse le capturer. Va dans l'herbe, je vais te montrer comment utiliser des nexotrapes. C'est peut-être quelque chose de dur à maîtriser, mais on n'a qu'à affaiblir le lentement et le jeter le piège ensuite. Possible. D'accord, on va capturer un Nexomusky. L'étape la plus importante est d'affaiblir ta cible. Vas-y. Pas mal. Je sais que tu essaies de sauter en de sauter ce tutoriel avant de finir dans un. Oui, merci. Appuie sur les deux boutons L et R ou sur ZR pour voir les menus de capture. Ce tableau montre la répartition de tes chances de capturer. Il y a beaucoup de facteurs impliqués comme les PV de ton ennemi. Tu peux aussi nourrir le Nexomon avec différents repas pour monter tes chances, mais tu prendras ça plus tard. Le titre de Nexomon est également important, mais pour l'instant, utilisons simplement les Nexotrap réguliers que je te donne. Alors, ok, si je fais quoi? Je vais sortir un carré. Est-ce que... Quoi? Quoi? Envoyer au groupe son nom. Voilà. Bien joué! Il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais t'apprendre, mais je crois que tes amis vont être à ta recherche. Je sais ça quand on se reverra. Mais en attendant, sois prudente. Ce monde n'est pas aussi tendre qu'avant. Est-ce qu'on essaie de voir? Ah, il est feu aussi. Vraiment qu'on est rapidement, je crois. Attends, équipe. Vache. Faut vraiment savoir les touches.
Le loup, il y avait de la pas mal aussi. Bon, on va aller. Vas-y, Divine Sky, tu vas bien? Un dragon vient d'attaquer la zone, je vous cherchais. Oh, regarde, c'est madame, rien ne peut arriver dans cette forêt ancienne. On a été sauvé par un fantôme flippant, en fait. Un fantôme, voyant, vous devez avoir des hallucinations. Vous êtes en train de parler à un chat. Nous quittons le bois tout de suite. Suis-moi jusqu'à l'orphelinat Sky. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. On part maintenant, Sky. Maintenant que tu as enfin un Nexoman et des Nexotrap, ça ne peut pas faire de mal de décevoir un petit peu. Je veux qu'on explore quoi. Hein. Je vois que tu aimes les Nexomones, mais tu sais ce qui est encore mieux que les animaux bizarres, des éclats, de beaux précieux et merveilleux éclats élémentaires. Des cailloux? Ce ne sont pas des cailloux, ce sont des éclats mer. Je veux dire, ouais, les éclats sont des articles de valeur et ils servent à toutes sortes de fins utiles. Intéressé? Ouais? Super, alors j'ai une affaire incroyable, rien que pour toi. Pour seulement quelques pièces et une ou deux provisions, je te donnerai une pioche, l'outil le plus important pour extraire des pierres précieuses. Ça ressemble à une arnaque. Viens me parler quand tu seras prête à faire le meilleur investissement de ta vie. Les mineurs veulent des pièces et d'autres provisions. Tu as reçu une quête secondaire. Garde un œil sur tes quêtes en accédant au journal dans le menu principal. Oh, tu avais acheté ma pièce. Voici donc ce que j'ai besoin de ta part. 200 pièces de bazar. 200 pièces. Mais j'ai pas 200 pièces. Il me revient quand tu seras prêt à me. Oh, vraiment, un dragon a été aperçu dans les parages. Alors, un tyran n'est pas loin parce que les dragons aiment chasser les tyrans. Je suis venu ici pour trouver des grottes ou extraire des éclats élémentaires. Mais je suppose que c'est une mauvaise idée maintenant. Ah bah c'était pas lui. Je suis mal au bout. C'est vrai que je pensais avoir la pioche. Quoi? C'est libéré? Quoi? Il en reste que deux. Un flanc. On va aller on veut d'explorer, on va aller là. Ah, si, il y a un marchand. Et tu t'en sors, tu savais qu'il y avait aucun magasin à quoi. Je fais que passer, mais je peux te vendre quelques objets de base avec une réduction supérieure que vous avez. Comment confiance le magasin de la ville sur une arme.
À plus tard, prends soin de toi. Ok, bah écoute, on va s'arrêter ici pour cet épisode, c'est pas ça. Ça s'appelle une gemme dimensionnelle, elle permet de sortir de la guide de se déporter à travers le monde. Tu n'as pas encore l'autorisation d'utiliser cette gemme. Ok. On va s'arrêter ici, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'oubliez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très prochainement pour la suite de Next Semaine. Allez, je vous fais des gros bisous.